tous, ici Epsilon21 et aujourd'hui on se retrouve sur la map Sky Factory sur Minecraft et je suis en compagnie de Team Allen. Yeah! Et bah voilà, on a attendu longtemps la pluie, on a dû attendre 2 jours la pluie, mais finalement on a eu notre petit baril d'eau. Oak barilé d'eau. Et alors, j'ai remonté le crucible de 1 de hauteur, parce que comme ça, au moins, tout est à la même hauteur, et je trouve ça plus sympa que tout soit à la même hauteur. Donc, voilà, un petit peu les nouveautés. On a continué à farm un petit peu, mais sans plus, quoi. On a vraiment hâte de vous présenter ce que peut faire le crucible, et donc de faire le générateur à cobblestone. Donc, je t'en prie, mon très cher, à toi l'honneur. Petit blizzard qui m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a? Petite notification blizzard qui est venue en plein milieu de mon écran. Ah, ok. Donc, je peux récupérer ça. Donc, on a la lave dans un truc et on a l'eau dans l'autre. Que fait-on? Il nous faut de la clé, donc il faut qu'on refasse de la clé. J'avais déjà prévu un bloc de test. Ouais, ok. Hop. Donc, on a notre clé. On refait un peu de ça. Ok, oui, je te suis. Jusqu'à preuve du contraire, je te suis. Et oui. Alors, du coup, on peut faire un saut avec ça? Ok. Mais il faudra encore attendre qu'il repleuve encore une fois pour avoir l'eau. Il faudra encore attendre, mais on pourra déjà tout préparer. Ouais, ok, ça va. On pourra déjà tout préparer. Comme ça, on arrêtera de faire de la terre, de la passer dans ce truc-là pour avoir... Où est-ce qu'ils sont? Il n'y en a plus. Pour avoir la cobble qui nous permettra d'avoir la pierre. On aura directement notre générateur de pierre, de cobble. Et ce sera beaucoup plus rapide, beaucoup mieux, etc. Donc vas-y, je te suis, je continue de te suivre. Je prenais du bois pour pouvoir mettre cuir, pour pas consommer de charbon de bois pour ça. Pour mettre cuir le petit seau. Ah, parce qu'il faut le faire cuire encore. Seau en argile non cuit. Ok. Toujours en argile non cuit. Et okay. Maintenant, voilà. On a le seau en argile cuit. Cool. Je prends la lave. Je peux prendre la lave. Oh, hey, il y en a encore dedans. Oui, il y en a encore dedans. C'est normal. Génial. Et ça fait que de la lave ce truc-là? Ça fait que de la lave. Ok. Ouais. Ah, mais c'est déjà pas mal. Est-ce que tu avais prévu un endroit où on pourrait faire le... Ouais, je pense à mettre ici, à peu près. Ici, là? Ou plutôt voilà. Derrière, là? Ici. Ici? Ok. Voilà. Un petit peu décalé pour... Ok. On décalerait pas de 1, comme ça on doit pas bouger le pattern chest. Pas à bouger le pattern chest. Ouais, mais tu vois, ça fait moche comme ça. Je préfère que tu le décales genre de 1 ici. Ici. Hop. Alors on va prendre un petit peu de bois. Puis on va transformer en planche. Voilà, et comme ça on va pouvoir faire. Va pas trop loin, hein. On n'a pas besoin d'aller à 3000 bornes pour. Je me suis mis là, t'inquiète. Ok. Si hop. Tu veux me passer le bois. Alors, je te passe des dalles et je vais apporter du coup de la pierre que l'on a récoltée pour pouvoir faire le générateur. Ah, ok. Parce que sinon, on va faire le générateur, on va mettre de la lave dedans et ça va craber. Ce serait vraiment trop bête, hein. Enfin, j'en ai pas beaucoup, mais je ferai la partie en... Ah, ouais, en ouais, pierre. Bah vas-y. Je te laisse faire. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, ok, non, ok, tu fais le générateur, ça va. Oui, d'accord, ok. Fais-le, essaye de le faire au même niveau, si c'est possible, tu vois. Genre, quand on arrive, le truc pour modifier, il est juste là, quoi. Juste là où je me trouve. C'est juste que j'ai mis un peu plus loin, mais c'est normal. Bon, je te laisse faire. En attendant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais construire une pioche pour pouvoir miner la pierre que l'on va générer avec le générateur à cobble. Et donc, pareil, on a fait les patterns.
Donc je rappelle les patterns, c'est ici, donc on fait le pattern, on sélectionne le pattern et boum, on le prend. Et pour faire les patterns, c'est Bon, blank. scroll. Attends, je vais chercher. Blank pour faire les patterns, c'est comme ceci. Attends. Ah, oh, mais non, mais il m'a donné. Il s'est remis en mode de triche tout seul. Donc, pour si jamais ça vous arrivait que. Tiens. Oui, donc si jamais quand vous cliquez ici, par exemple, il vous donne des items, vous allez simplement dans Options, Inventaire, et alors mode triche désactivé, et vous mettez mode recette à la place. Voilà, donc le mode recette, c'est comme ça. Donc, oula. Attendez, hop. Pour faire un blanc, donc il vous faut du bois, n'importe quelle planche de bois en horizontale, non, en diagonale, et puis après des petits sticks dans l'autre sens. Hop. Vous les craftez, vous les mettez là-dedans et vous sélectionnez le pattern qu'il vous faut pour construire la hache. Le pattern que vous voulez savoir, bah, vous le craftez ici, comme ça, vous savez. Vous savez, par exemple, vous voulez faire une hache, vous savez qu'il vous faut ce pattern-là et ce pattern-là. Quand vous avez les patterns, vous les mettez ici. Donc moi, je vais faire une hache en os. Hop, hop. Ah, ça marche pas pour le tool build. Donc ici, je vais avoir le Non, regarde bâton les en matériaux. os. Regarde les matériaux. Peut-être que le Matériau bout de la hache ne cost. peut pas être en os. Wood, stone, cactus, obsidienne, netherrack, slime, paper, blue slime, tomium, pink Est-ce slime. que tu peux me passer la... Et là, il me le dit. C'est Est-ce les que tu mêmes sais me passer la matériaux lave? des deux côtés. Je suis là. Ok, c'est les mêmes matériaux des deux côtés, hein. Donc, ensuite, bah, on va faire celui-là en espérant que ça passe. Non, ça passe pas non plus. Donc, le truc en croix. Et Regarde les matériels qui demandent. bah, du wood, de la stone, du cactus, de l'obsidienne. On fait Bah quoi alors en fais-le stone? en stone. Hein. Ok. Fais-le entièrement en stone alors. Mais je n'en ai plus de la stone. Il n'y en a plus dans les coffres. Merci. Donc Hop. Donc, on recommence. Donc, le bâton, on l'a fait en os. Et ça, on va la faire en stone. Donc, boum, boum. Et j'ai reçu un truc en plus, c'est de la stone shard. Je te montre ce que Oui, c'est. c'est le Tu sais ce que reste en c'est? fait. Ouais, c'est le Parce que reste c'est un peu de la comme pierre. Mais c'est comme la ça. stone qu'on dropait avec de la terre ici. Non, c'est par exemple, tu vois la bonne mine quand tu tombais. Ouais. Tu faisais en os et tu tombais sur la bonne mine. Parce Oui. qu'en fait, t'avais un reste. Oui, d'accord. Mais c'est la même chose, ça te servira au craft prochain. Tu pourras le réutiliser pour le prochain craft. Ok. Ensuite, C'est. pour faire bah, la pioche, il nous faut ceci, ceci et ceci. Et voilà, nous avons une belle pioche en pierre. Un peu modifiée puisqu'elle pourra être update à chaque fois, etc. Ouais. C'est pour ça qu'on fait pas des haches normales avec la table de craft, c'est pour justement, bah, comme celle-ci, cette hache-là, elle se régène automatiquement, elle a plein d'effets positifs, sharpness et tout ça. Enfin, je veux dire, faites une hache que vous pouvez réparer et qui s'update et qui fait des trucs, je trouve ça génial à fond. Et du coup, bah, on va faire pareil avec la pioche. Comme ça, vu toute la cobble qu'on va devoir miner pour construire tout ce qu'il y a ici autour, bah, je pense que ça pourrait être utile. Ouais, petite précision, je vais te mettre la lave hein, du côté de la cobble. Attends, j'arrive. Quand tu mets ta lave, ton seau est perdu. Les seaux en argent sont Ah! perdus. Donc, c'est pas quelque chose de très dramatique, hein, puisque suffit de refarm un peu dès qu'il pleut, on peut s'en refaire. Et la lave, elle est là-dedans. Attends, oh, casse pas, voilà. Elle est là-dedans. Okay.
Non, mais ne mets pas du bois là. Mais le bloc au-dessus. Ah oui, ok. Parce que quand il pleut, la lave se transforme. Non, mais c'est mieux, ça fait moins de bruit parce que quand il pleut, ça fait tch-tch-tch-tch. Ok. Enfin, comme quand de l'eau rentre en collision avec de la lave, quoi. Ouais, d'accord. Et alors là, on va placer l'eau, c'est ça? Ouais. Et l'intersection, ce sera pile ici. Alors, pardon. Ici? À Ok, mon avis, merde. Non, j'ai plus. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de. va en chercher vite. Ok. Attends, laisse. Passe. Voilà. Désolé. T'inquiète, t'inquiète. Je voulais un peu voir la superbe machine que tu nous avais faite. Tu sais faire genre des barrières pour aller jusque-là, pour pas qu'on tombe maladroitement comme toi tout à l'heure en hors caméra? Je ne suis pas tombé. Si t'es tombé. Tu Ne mens. mens pas, ne mens pas. Tu n'as aucune preuve. Ah ouais, et si je montre tous les trucs qu'on a dû faire ici pour récupérer ta tombe? On n'a rien fait. Oui. Donc voilà, nous avons donc pu faire le générateur et je pense que nous pouvons d'ores et déjà valider la quête. Et nous Presque. arrivons à... Comment ça presque? On n'a pas encore fini le générateur, on a Ah encore l'eau. merde, on n'a pas... C'est vrai qu'on n'a pas encore... On n'a pas encore l'eau, il faut attendre la pluie. Encore une fois. Et encore une fois. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant la pluie? On peut déjà commencer l'âge de pierre. Il y a des trucs à faire à l'âge de pierre? Ouais. Il y a toujours des trucs à faire à tous les âges. Oui, mais en n'étant pas à l'âge de pierre, est-ce qu'on peut déjà faire des trucs de l'âge de pierre? Que je reprenne mon livre parce que je le mets à chaque fois dans le coffre pour pas le perdre au cas où je tombe, etc. Le cobble générateur, on est en train de le faire. On peut s'éloigner déjà de 25 blocs pour faire la plateforme aux animaux. Ouais, je propose qu'on la fasse bah, carrément à l'opposé Oui, de... un peu. Oh! Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va bien? Moi ça va bien, très bien. Je vais venir vous couper. Comme ça vous arrêterez de me faire chier, à pousser comme ça devant moi, à me faire peur, à me surprendre. Bon, ouais, je disais donc pile en face de l'autre côté. Je te laisse faire ça ou tu veux que je le fasse? Je vais le faire, je vais le faire. Ok, bah tiens, j'ai encore 6 comme ça. Cependant, build Hop, second hop, hop, layer. hop. Et alors là, est-ce que j'ai laissé les trucs là-dedans? Donc, va falloir Oui, qu'on je se les ai fasse. laissés là-dedans, donc on va pouvoir les stocker ici. Donc, un peu résumé de l'âge de pierre. Donc, c'est faire une chambre noire à 25 blocs pour les zombies. Ouais, mais ça, on a fait. Creeper, on a fait. Faire une plateforme en herbe à 25 blocs pour les animaux, Ouais, ça, on on va le va le faire faire. maintenant. C'est ce qu'on va faire. La troisième, je sais pas ce que c'est. Build the second layer to your island below to level you started from. What? J'irai voir. Ok, bah on ira J'irai voir. s'enseigner un petit peu, hein, quand même. Ah, j'ai vu qu'il y avait aussi faire de l'obsidienne. Alors, make, ouais, donc faire de Ah, tu vois, l'obsidienne avec stone un. barrel, tu vois, donc on peut faire des barils en Oui? stone. Oui, bien sûr. Mais il fallait avoir de la stone avant. Ouais. On va la voir, on va la Après, voir. on va devoir faire une fournaise Tinker Construct. Ok. Donc, smelterie de Tinker Construct. On va devoir améliorer un outil Tinker Construct avec un métal spécial. Donc, Attends, on mettra améliorer ça. ou construire un nouveau? Non, améliorer. Ça veut dire Donc, qu'on pourrait améliorer ma hache qui se régénère avec ton bazar. avec un truc spécial, ouais. Ouais. Oh, mais c'est cool! C'est même super cool. On peut automatiser un générateur, le générateur à cobble, avec un item qui s'appelle le transfer node. Ok. On va pouvoir upgrade On va pouvoir ou on la. va devoir? Devoir. Enfin, Et pouvoir, c'est merde. pas. Les deux, quoi. Ouais, bah oui, j'ai compris. Améliorer la ferme à mob.
avec de la Ah, attends, chute, c'est plus améliorer simple. la ferme à mob. Ah oui, mais celle-là, j'ai envie de reprendre le concept de la ferme automatique sans redstone. Je sais pas si tu vois laquelle, celle qu'on avait faite. La Ouais, si, grande, sauf juste avec que. de l'eau. Ouais, sauf Tu vois, si qu'ici, ça te dit de faire celle-là, moi ça me tente bien. quand on l'automatise avec certains trucs spéciaux, mais C'est fou, hein, les deux arbres ici, ils poussent et ces deux là-bas, ils poussent pas du tout. ouais, donc là, il faudra, on a une mission spéciale avec ça. Upgrade your monster farm to kill monster automatically. Donc, Mais ouais, ouais, mais c'est ça. si tu les laisses tomber pour qu'ils meurent automatiquement, est-ce que tu drops toujours les items ou pas? Tu vas Tu drop les drops comme items, si on les mais pas tuait, l'XP. comme si on les tuait. Mais pas l'XP. Ouais, mais ça on s'en fout de Bah, on peut l'XP. se faire l'XP, tu sais, tu les fais tomber Bah parce parce que qu'ils servent pas. moi je préférerais les laisser tomber parce que les laisser tomber qu'ils aient genre un demi-cœur de vie Ouais. comme ça après. Enfin tu vois ce que je veux dire? Après, le problème, c'est que tu sais pas améliorer ton épée, du coup. De Qui peut être quoi améliorer pratique ton épée? si on fait des fermes à mobs et des machins comme ça. Bah, t'as ta rapière, tu Bah pourras l'améliorer. si on fait une qui leur enlève 19 19 points de vie, et bah ça me permettra justement de l'augmenter vu qu'on aura l'XP, vu qu'on tuera les Bah. mobs et qu'ils seront à demi-cœur de vie. Non? Bah oui, si. Ah moi c'est ça que je propose. Maintenant si tu veux qu'on fasse une automatique. Non, non, on peut faire ça. Bon, tant que je suis dans Attends, mon. pardon? Tant que je suis dans l'art de résumer les quêtes, Ouais. après on aura l'âge du farm, donc Ah oui, Farming de Age. récolte. Donc là, ça sera un. Il faudra qu'on construise un watering can. Donc ce sera pour récolter de l'eau, je pense. Prépare une ferme pour crops. Pour les graines qu'on a récoltées avec les creepers, Ouais. les graines spéciales creepers. Après, on va devoir faire un mattock de Tinker Construct, Ouais. qu'on peut déjà faire maintenant en fait. On devra faire une ferme à nourriture et une ferme à Monico, Monitio, donc les creepers qui ont loot ça. On va devoir utiliser un arrosoir pour faire pousser plus vite les plantes. Ouais. Un nénuphar pour fertiliser plus vite les fermes. À nourriture, ouais. Des graines d'iron, des graines de diamant et du jeu vicio à infuser d'armor. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, je pense que avant d'arriver à l'âge de l'exploration, on en a déjà pour un petit bout de temps. Heureusement que l'équipe va se renforcer d'ici peu, parce qu'avec tout ce qu'on va devoir farmer, ça va être l'horreur, je crois. Donc, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Merci à toi d'avoir résumé tout ce que l'on va faire dans les futurs et prochains épisodes. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode et le mot de la fin pour Tim Allen. Ciao, ciao.